L'ensemble des éléments nécessaires pour réaliser la séquence se trouve dans la mallette portant la mention CRM, dans le tube en carton pour les vues aériennes, dans les caisses pour trois boîtes, une par CRM, contenant les véhicules. 6 portatifs au total, 2 par CRM. La séquence est composée de deux activités, le brainstorming et la mise en situation professionnelle. Cette dernière est répétée 4 fois, de manière à permettre à chaque stagiaire d'être mis en situation en tant qu'officier CRM. Le brainstorming peut très bien être réalisé debout autour du tableau. L'encadrant présente le matériel qui sera utilisé, indique quel canal sera utilisé pour chaque CRM. Les stagiaires se répartissent en trois groupes, un par CRM, A, B et C. Les équipes d'animation, une par CRM, disposent de leur matériel à l'extérieur de la salle. À tour de rôle, un stagiaire jouera le rôle d'officier CRM. Les trois autres membres du groupe assureront l'animation. Chaque exercice a une durée d'environ 20 minutes. L'exercice étant répété 4 fois, chaque stagiaire passera à son tour en tant qu'officier CRM. L'équipe d'animation assure pour son CRM les messages radio, l'arrivée des véhicules, l'encadrant a la possibilité entre chaque exercice, de procéder à un petit débriefing de manière à recadrer d'éventuelles incohérences. Le service opération met à disposition des outils supplémentaires dans le cadre du développement des CRM. Il est tout à fait envisageable de les utiliser lors des troisième ou quatrième rotations des exercices.